La particularité de l'histoire de l'orthodoxie estonienne m'a obligé de lire l'histoire, la péripétie de la nation estonienne, et le grand drame du peuple estonien qui, pendant des siècles, se trouvait sous l'occupation de plusieurs différentes nations. Nous nous trouvons aujourd'hui tout au nord de l'Europe en Estonie. Cet État balte qui a rejoint l'Union européenne en 2004 faisait il y a peu encore partie de la sphère d'influence de l'Union soviétique d'alors et de la Russie d'aujourd'hui. L'Église orthodoxe locale a connu des temps très difficiles durant cette sombre période de son histoire. Nous voici les hôtes de Mgr Stéphane, le métropolite de l'Église orthodoxe autonome d'Estonie. Nous découvrons avec lui l'histoire récente de l'orthodoxie dans son pays d'adoption. Bien que Mgr Stéphane soit d'origine grecque et qu'il ait longtemps servi comme évêque en France, il possède aujourd'hui la nationalité estonienne. Pour quelles raisons a-t-il donc été élu métropolite ici en 1999 ? Je crois qu'il faut le demander au patriarcat. Mais c'est pour des raisons pratiques. Parce que lorsque le patriarche avait donc rétabli l'autonomie de cette église, et c'était Mgr Jean de Finlande qui a été le locum tenens pendant 3 ans, mais il s'est fait qu'il n'y avait pas de candidat à l'épiscopat ici, en Estonie. Mgr Stéphane, évêque auxiliaire du métropolite orthodoxe en France du patriarcat œcuménique, était appelé par le patriarche Bartholomée, choisi et appelé, à se rendre en Estonie et travailler pour la restructuration de l'Église orthodoxe estonienne. À côté de son travail pastoral comme métropolite, Mgr Stéphane avait reçu comme mission principale d'y restructurer l'Église. La communauté des fidèles orthodoxes d'Estonie avait subi de grandes souffrances durant la période soviétique. Mgr Stéphane accepta de relever le défi, avec les fidèles et le clergé, de réinsuffler de la vie et du dynamisme dans cette Église qui fut reconnue en 1923 par le patriarcat œcuménique de Constantinople comme église autonome. La réactivation de cette église en 1996 fut accueillie avec réticence par le patriarcat de Moscou. Le dernier point qui restait après toutes les structures ecclésiales, ça a été constituer un bureau diocésain, constituer un bureau d'église, enfin beaucoup de choses. Ça a été pour finir aussi régler la question financière. Ne pas vivre au jour le jour comme on a vécu, dans l'angoisse, etc. On vient de résoudre le problème aussi. Bon, cette église, au bout de 15 ans, est maintenant une église, je dirais, pacifiquement restructurée dans un contexte orthodoxe.
Monseigneur Stéphane nous invite à visiter en sa compagnie quelques paroisses et lieux de culte en Estonie. Nous quittons la capitale Tallinn pour nous diriger vers l'ouest du pays, admirant au passage la splendide nature estonienne jusqu'à la petite ville de Haapsalu. Au XIXe siècle, cette cité balnéaire était fort prisée par la famille impériale des tsars de Russie. L'église paroissiale locale a ainsi pu bénéficier du soutien financier des tsars pour sa construction. Puis vint le temps de l'Union soviétique à laquelle l'Estonie était intégrée. This church was unfortunately closed in 1964 in Nikita Khrushchev's period. It was a very difficult period for Orthodox Church in Soviet Union. And there was a store place in this church, like normally in Soviet Union. L'église n'a pu rouvrir ses portes qu'en 1995. L'histoire de cette paroisse est l'histoire typique de l'ensemble de l'église orthodoxe en Estonie. Ce n'est que depuis peu que des paroisses parviennent à se remettre en mouvement pas à pas. Ce phénomène s'accompagne généralement de la rénovation des bâtiments de culte. It's very slow, but parish is growing through the ceremonies, liturgy, our conversations, our meetings and camps we participate. Quittant Haapsalu, nous nous rendons à Saaremaa, la plus grande île du pays. Monseigneur Stéphane nous y amène vers un petit monastère de religieuses. Mais avant cela, nous rendons visite à Kuressaare. Ici, à Kuressaare, les premiers chrétiens orthodoxes étaient d'origine russe. Ils ont construit cette église au XIXe siècle et l'ont dédiée à Saint-Nicolas. Un marchand de Saint-Pétersbourg fit don de la splendide icône de la Mère de Dieu. Avec le temps, de plus en plus d'Estoniens rejoignirent la paroisse. Après la première indépendance de l'Estonie en 1918, la liturgie fut traduite et utilisée dans la langue du pays. De nombreux fidèles ainsi que d'autres visiteurs viennent à l'église de Saint-Nicolas pour y vénérer l'icône de la Mère de Dieu. L'église orthodoxe locale a connu de très nombreux martyrs durant l'époque soviétique. Le père Andreas s'occupe de la construction des dossiers préparatifs à la reconnaissance de sainteté de ces martyrs. Notre église маленькая. Но мучеников святых очень много. Первые мученики 20 века были, когда была первая оккупация советских войск. Это было Тарту, Южной Эстонии. И тогда святой епископ Платон, мученик, скончался, и вместе с ним несколько священников. Après ce premier groupe de martyrs qui furent proclamés saints, les études se portent aujourd'hui sur des périodes plus récentes, et on espère ici que de nouvelles reconnaissances de sainteté verront le jour. À Saaremaa, nous rendons visite à une petite communauté de Monial. Ce monastère à Reomai a été fondé depuis la Grèce à l'initiative de Monseigneur Stéphane. Quand je suis parti sous l'idée de faire un monastère féminin, j'ai voulu le mettre à l'île de Saaremaa, c'est-à-dire dans la partie ouest, pour donner ce témoignage de la vie monastique. Et ce que je constate avec grand plaisir, c'est qu'aujourd'hui, à Saaremaa, on ne dit plus les moniales, mais on dit nos moniales. This community here is a spiritual child of the monastery in Greece. And this birth of this monastery was made possible because of the relationship between the Church of Estonia and that monastery in Greece.
Metropolitan Stephanos visited our monastery and humbly requested help from our abbess, Ioannis Theodekti, to found a monastery here in Estonia, recognizing that a church without monasticism cannot be the church. You know, we tried to understand how you came here, and I answer, yes, I came with the airplane, also to Greece, where I first found, of course, the monastic life. But it is, I think, the same what you feel when you feel deeply that you're in love with somebody, and you just know you have to follow this person, and whatever people say, if they will understand or not. But there's something very deep that you know this is what you have to do. Sometimes I think that the best way we can teach people, and the most that we have to tell people, is from our own experience of our own weaknesses and our own passions. In this sense, the monastery is a laboratory, it's a hospital, where we're trying to find solutions to problems that everyone has. Les sœurs ont dressé des plans pour agrandir leur bâtiment avec l'aide de l'Église. Des travaux de rénovation à l'église et aux divers bâtiments doivent être entrepris. Ainsi, la communauté pourra offrir un meilleur accueil aux visiteurs et aux pèlerins. Et j'ai appris dernièrement que les chauffeurs de cars touristiques, sans avoir reçu aucune consigne de leur propre chef, amènent les voyageurs au monastère de leur propre initiative. Donc ça montre que le monastère, tout doucement, par sa simplicité, par son silence, par son travail, est en train de gagner la confiance des gens. Et les gens vont et interrogent les sœurs et font des efforts. Les sœurs m'ont donné beaucoup de témoignages comme ça. En quittant l'île de Saaremaa pour rejoindre Tallinn, nous faisons encore un petit crochet par la paroisse de Tornimäe. C'est là que nous rencontrons Marina. Elle est la presbytère, c'est-à-dire l'épouse du prêtre. Elle assiste son mari au sein des 7 communautés paroissiales dont ils ont ensemble la responsabilité. My role is the first responsibility is the singing in at the services and at liturgies and other cases, funerals, baptisms, so, and also teaching the singing, because we don't have enough choir members today, so we have to teach the new people who are coming, and then of course prepare the coffee table and communicate with people and have a contact with them, and also I like to visit older people, so I go home to them and the everyday socializing with the parish members. And as we have the 7, so it takes most of our time to do that. La paroisse se veut ouverte et visible tant littéralement que sur le plan métaphorique. C'est ainsi que des volontaires ont aménagé les alentours immédiats de l'église pour en faire un espace ouvert, attractif. Chaque année, ils organisent à Tornimäe un atelier durant plusieurs jours à l'intention des chantres de musique liturgique orthodoxe. La paroisse se met ainsi à la disposition de l'ensemble de l'Église orthodoxe en Estonie. Pour Monseigneur Stéphane, la collaboration avec les autres communautés religieuses en Estonie revêt une très grande importance. Le vivre ensemble et la convivialité fraternelle constituent pour lui de hautes priorités. C'est ce que nous confirme l'archevêque Andres Pöder de l'Église luthérienne évangélique d'Estonie. Meie Eestimaa olukord on selles mõttes väga eriline.
et need suuremad kirikud, konfessioonid, kes nüüd juba alates Eesti iseseisvumisest on kuulunud Eesti kirikute nõukokku, on arendanud väga tihedat vennalikku koostööd, nii et võiks öelda, et meie kirikute vahel puuduvad sisulised konfliktid. Me püüame rääkida ühiskonnale ühel häälel ja toetada üksteist evangeeliumi kuulutamisel Eestis. Le plus important, c'est que je suis parvenu au bout de 4 ou 5 ans à convaincre les luthériens que nos deux séminaires devaient travailler ensemble pour arriver à aborder ensemble théologiquement et spirituellement des questions d'intérêt général concernant la société estonienne ou bien concernant les relations entre nos églises. Notre visite à Tallinn et en Estonie est aussi l'occasion de célébrer avec Mgr Stéphane la liturgie de l'Ascension. Nous sommes accueillis dans l'église de Suurkloostri, au centre de la ville. C'est ici, dans l'église de Suurkloostri, que se trouve la tombe de Saint Platon, martyr de l'époque soviétique en Estonie. In 1916, the Estonians decided to start to talk about a bishop place for Estonia because Estonia was pretty big for those times. If we count Orthodox people, then we had over 130 parishes. And it was enough to have and to establish a bishopate. Bishop Platon was called to Estonia to be a first bishop for this particular bishopate. Platon donc a été le premier évêque. Pendant 2 ans, il a sillonné le pays à dos de mulet. Et jusqu'à maintenant, on parle de ses déplacements et de ses voyages dans les paroisses. Il avait vraiment adopté son peuple et il a conduit son peuple et spirituellement et nationalement. C'est en 1919 que l'évêque Platon, durant un de ses voyages légendaires, fut arrêté et emprisonné à Tartu. C'est là que les bolcheviques l'assassinèrent, ainsi qu'une dizaine de ses compagnons. If we talk today about the Bishop Platon, then his mission, what he did in the beginning of 90s, it was a new mission for us in end of the 1980s, when we started to talk about the independence of the state. And parallelly, we had all the possibilities to restore the Estonian Autonomous Church. And the flag, basically, for this movement was Bishop Platon's history, as he fought it for the bishopate to open, to give the people a possibility to serve in Estonian language, to have the Orthodox tradition as a bishopate in those times. And we used his memories and the prayers
to re-establish the autonomy in Estonian Orthodox Church. L'Église orthodoxe autonome d'Estonie est aujourd'hui à nouveau sur les rails. La nomination d'un chancelier responsable des finances et de l'organisation factuelle de l'Église en est la preuve. Le chancelier gère également le patrimoine. Durant les 60 années que dura l'occupation soviétique, de nombreuses églises furent fermées pour être utilisées aux fins les moins appropriées. Starting from 1993, we started to get all of this heritage back. And it was severely damaged, this property. And till today we are struggling with this part, and this is part of my everyday life, but also the parishes which are today in these buildings and in these locations, they were hit mentally as well. So it's it is not only the question of the let's say the property or material side, it's a spiritual side question as well. À Arakula, les travaux de reconstruction d'une petite église abandonnée vont bon train, une initiative d'une famille en mémoire de leur fille décédée. Monseigneur Stéphane y a été invité à bénir quelques icônes. En 1906, Yuri погибла трагически дочка. И это было для нас большое горе. Вот. Утешение в этом горе мы нашли в этой церкви. Вот. И мы решили ее восстановить. И восстановить для того, чтобы каждый человек смог прийти, когда ему тяжело на душе и когда радостно. Потому что каждый человек, он развивается духовно, и он должен знать свои истоки, куда прийти за помощью. I just asked possibility to help a little bit. Just I know some local person, maybe some local businessman, and to ask some help, some money for this church, and of course we work together. We are neighbors. We are good neighbors. Un bel exemple du renouveau que connaît l'Église orthodoxe autonome d'Estonie est la rénovation de la cathédrale Saint-Siméon dans le quartier portuaire de Tallinn. Nous tous, que nous venons de l'étranger, nous avons vu comment ça a été à l'époque de l'indépendance du pays. Une église qui était déclassé, transformé en club social de kickboxing, qui sait quoi d'autre chose il se passait par là, dedans, et de revoir comment il se présente aujourd'hui au port, au bout du port de Tallinn. C'est la première image que les visiteurs qui viennent de Finlande rencontrent devant eux. Une grande église en bois traditionnelle, l'église, avec une histoire de 220 ans. L'église a rouvert ses portes en 1999, sonnant le début des travaux de reconstruction. Les travaux ont pu avoir lieu grâce au soutien de nombreux partenaires, tels que les autorités et la ville de Tallinn. Les autres églises sœurs orthodoxes ont également significativement offert leur aide. All this furniture and iconostasis, this is a gift from Greece and made in Saloniki by a workshop. And that's why we could also order a special like this. Your Eminence mentioned this widely open royal door so that people are not like cut off from what happens in the holy altar, but can see the
actions of the priest. But now the final element that needs or could be added for the church building as such are the stained glass windows. We have already from some years in the altar part, but now we want to cover all the lower windows with stained glass. Я была очень счастлива, что я могу внести, что мне как бы позволено внести в эти окна какие-то элементы природы, потому что я не считаю, что поскольку Бог создал все, поэтому элементы природы это тоже входит в его дело рук. À la fin de ce magnifique voyage à travers l'Estonie, nous sommes gratifiés d'une surprise. L'arrivée d'un groupe folklorique de Setuma, une région traditionnellement orthodoxe dans le sud du pays. C'est là qu'il y aura aussi une rencontre internationale organisée par le mouvement de jeunesse de l'Église estonienne. Mon souhait que c'est la rencontre qui aura lieu à fin de juillet à Setoma, qui va réunir la jeunesse orthodoxe de l'Europe, de Grèce, du Liban et de l'Estonie, bien évidemment, va pousser les jeunes à travailler davantage et se collaborer davantage, avoir plus de relations et avoir plus d'idées pour organiser d'autres événements. C'est sur ces belles danses et cette jolie musique traditionnelle que nous quittons Tallinn et l'Estonie. Nous remercions Mgr Stéphane pour sa chaleureuse hospitalité et lui souhaitons, à lui comme à ses collaborateurs, beaucoup de succès dans son entreprise de développement et de la reconnaissance de l'Église orthodoxe autonome d'Estonie.